Nous sommes ici au musée de Cluny, musée du Moyen Âge, mais on ne va pas mélanger les époques. Hein. On va rester bien dans la lutèce gallo-romaine. Et ce que vous voyez comme maçonnerie derrière moi, c'est une construction financée par la corporation des bateliers, des nôtres parisiens, 2e, 3e siècle. Et ce sont des bains. Figurez-vous, des bains. Regardez un peu cette maçonnerie. Assez dégradée au cours des siècles, tant et si bien que, au Moyen Âge, les Parisiens appelaient cet endroit un peu bizarre un palais sarrasin, alors que les Sarrasins sont jamais venus plus près de Paris que de Poitiers, où ils ont été battus par Charles Martel en 732. Alors, les bains, c'était comme les arènes, comme les théâtres, c'était une constante dans toutes les villes de l'Empire romain. Je peux vous dire que les Romains utilisaient beaucoup d'eau, énormément d'eau. Et quelqu'un a fait un calcul qu'à l'époque gallo-romaine, pour boire, pour se laver, pour faire la cuisine, pour faire le linge, laver le linge, les Romains utilisaient quelque chose comme 3 ou 4 fois plus d'eau que le Parisgau à la veille de la Révolution française en 1789. Ça fait beaucoup. D'où venait cette eau? Pas de la Seine. L'eau de la Seine était relativement propre à l'époque, mais il semblerait, je ne suis pas trop affirmatif là, il semblerait que les Romains n'aient pas eu la technologie pour pomper de la Seine une grande quantité d'eau. Alors, aqueduc, 16 km depuis Wissous, près de l'aéroport d'Orly d'aujourd'hui, jusqu'ici. Comment ils ont fait ça ? Calculer la pente pour que l'eau bouge sans déborder. Toujours est-il que cet aqueduc a été tellement parfait que lorsque Marie de Médicis a voulu arroser les jardins de Luxembourg, nous sommes au XVIIe siècle, elle a envoyé ses ingénieurs un peu partout. D'où est-ce qu'on va prendre l'eau ? Eh bien, on a refait le même trajet que l'aqueduc gallo-romain. Un souvenir en reste, c'est à Arcueil, bien nommé, où vous avez un viaduc qui transportait l'eau pour Marie de Médicis à travers une rivière. Bien. Alors, les bains. On se lavait tout le temps. Et il y avait à ça plusieurs étapes, si j'ose dire. Première étape, on arrivait, on se déshabillait, c'était le caldarium, pardon, le sudarium, où on transpirait. Il n'y avait pas d'eau, on transpirait pour nettoyer les pores. Ensuite, le caldarium, où on se lavait, le mot parle pour lui-même, eau chaude, très chaude même. Ensuite, le tepidarium, et c'est ici, de l'eau tiède. Et là, il y avait une fonction sociale, sportive, il y avait un palestre, une espèce de gymnase qui était juste de l'autre côté. On pouvait, il y avait une bibliothèque, on prenait des livres, des planches avec des textes dessus, on jouait, on faisait de la gymnastique et on discutait. Et c'est une interprétation peut-être un peu personnelle, mais comme tout le monde était à poil, ben on ne savait pas qui était noble, qui était patricien, qui était plébien, plébéien. Donc les discussions s'engageaient, je pense qu'il y avait pas mal de blagues de raconter. Est-ce que tu as entendu la dernière sur Jules César? Ou peut-être pas, mieux pas trop se moquer de l'empereur ici, etc., etc. Ensuite venait le frigidarium. Dans ce grand bâtiment, derrière la fenêtre que vous voyez derrière moi, et c'est la partie la mieux conservée. NetProf vous incite à venir, si vous voulez, vous visiter également la partie Moyen-Âge du musée du Moyen-Âge. Mais venez dans
la partie gallo-romaine et vous êtes en plein dans le Frigidarium. Là, vous verrez par exemple des consoles qui supportent une partie du toit en forme de trous de bateaux. On sait que c'est des bateaux marchands parce qu'il n'y a pas d'éperon. Et alors, moi j'ai fait une petite recherche personnelle, je n'ai trouvé aucune autre capitale nationale dans le monde située à l'intérieur des terres qui a un bateau pour symbole. Fluctuat nec mergitur. Donc ça vous illustre un tout petit peu l'importance de cette corporation des bateliers qui a donc financé la construction des thermes de Cluny. Et il y avait d'autres bains à Paris qui ont quand même plus ou moins disparu. Donc venez visiter et n'oubliez pas votre serviette.